Non. D'abord, sauvegarde rapide. Hop, c'est parti. Voler. Magnifique. 66%. Espèce de... ça l'a alerté. Allez, hop, tout de suite. Alors, l'or. Mais qu'est-ce que vous faites? Ah, merde. Pourtant, ça avait marché, ça, hein? C'est bon. Le reste, on s'en fout. Voilà, c'est parfait, les amis. On n'en veut pas plus. On n'en veut pas plus. Par contre, est-ce qu'on a lu ça? La magie. D'accord. Porte une certaine tranquillité, vous ne trouvez pas? C'est une énergie pure qui exige de la volonté et des connaissances. Il faut des germes. Chic, il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas une ici quelque part. Qui ne verrait pas, moi je peux piquer, hein, ça germe, merde là. Insignifiante, allez. F5. Hop. Très bien, c'est la vie que dalle. Il a vu que dalle. Qu'est-ce qui se passe? Les objets, qu'est-ce qui se passe là? 340. Je vais aller chercher Lydia. Qui veut me montrer je sais pas quoi. Mais d'abord, péniblement, on va aller en haut. Je fais une petite coupure les amis, hein. Et les amis, on va faire la connaissance de la petite Lydia. C'est un honneur de vous servir. Je suis Tann. Qu'est-ce que cela signifie? Le Jarl considère que vous êtes une personne d'une grande importance dans la châtellerie, de stature héroïque. Le titre de Tann est un honneur, une récompense pour service rendu. Les gardes fermeront les yeux dès qu'ils sauront qui vous êtes. Qu'est-ce qu'un Huskarl est censé le faire? Tann, et j'ai fait le serment de vous servir. Je vous protégerai vous et tout ce que vous possédez jusqu'à la mort. Ah ben. Je vous suis. Et maintenant, je vais directement échanger. J'ai juré de porter vos fardeaux. Alors, qu'est-ce que t'as, Lydia? Il y a un arme, t'as que ça? Il y a un bouclier de merde, là. Bon, allez. Attends, en arme, t'as 13, 10, 40, 13, 10. Ok, 13, 10. J'ai juré de porter vos fardeaux. Donc en arme tu as 13, 10, hein. Et moi en arme. Déjà je vais te donner un arc. Je vais donner deux flèches de fer, oui. On est 52, donc ça me fera une centaine. Hop, voilà, c'est parfait. Alors, je vais te donner une flèche de... Voilà, hache de la stylette méchante, hein. Je vais te donner... Mec, je vais me la garder, celle-là, hein. Voilà, hache d'acier, je pense que je vais me la garder, mais je pense que c'est une d'humain, hein. On va voir ça tout de suite. L'épée, on s'en fout. L'épée impériale. Allez. L'épée de fer. Alors, dans les tenues. Un anneau si tu veux. Un casque, j'ai pas envie de te donner un casque, il est horrible, tu vas le mettre toi. Ah ouais voilà, ça tout de suite. Tu me rends ce casque de merde. Dans les tenues, qu'est-ce que je peux te donner? Casque. Clé d'argent. La couronne, les potions créées sont puissantes. Couronne. Onyx. On voit bien comment se tirer ça. Ouais, terrible, hein. Alors, les gantelets de peau, ça non. Tunique avec ceinture. Qu'est-ce que tu as foutu que ça? Qu'est-ce qui me donne autant de poids? Mais qu'est-ce qui me donne autant de poids? Moi je dis que c'est les livres et tout, hein. Les potions aussi, hein. Ouais, regarde-moi ça. Oh, oh, oh. Les sorts de guérison sont 20% plus rapides, les potions du guerrier, les armes à une main infligent des dégâts supplémentaires pendant 60 secondes, ça c'est obligé ça, ça c'est favori ça, hop. Alors ça, je vais lui donner, potion de vigueur. La vigueur monte de 20 à 30%. On met une potion de soin léger, deux même toutes. Potion de magie légère, potion de force, la cache d'effort augmente de 20, de 200 pendant 30. C'est bon ça, favori. La cache d'effort pendant 300 secondes. Potion résistance à la magie. Ça tu peux en avoir. Une résistance au poison tu peux, au poison tu peux, au feu, potion restauration de vigueur, restaure 22 points de vigueur, ça m'intéresse ça. Favori, potion de renfort de vigueur, la vigueur augmente 17, ça je te la donne. Ça je te la donne. Je te la donne. Ça. Ça aussi, dans Ferrari. Ça, je te donne. Main d'hiver. Et quand le truc de dragon, je suis sûr. Voilà, ça. Torse, je peux en avoir une. Voilà. Tant que j'en ai qu'une, c'est bon. Le pichier, Alex, j'ai foutu Alex. Allez, ça va déjà mieux. Alors allons-y.